Yo les gens, que tal? Comment est-ce? Comment allez-vous? Alors bon, c'est plusieurs jours que j'ai pas vu de vidéo parce que le soir ici il fait froid, j'ai chopé des grippes, etc. Mal à la gorge. J'ai rencontré des gens avec qui j'aurais pu travailler, mais bon, comme je vois, ils sont vachement instables émotionnellement. Et donc quand il y a beaucoup de gens qui sont instables comme ça, c'est très difficile de travailler. En plus, ils se mettent dans des business qui leur rapportent pas. Même il paye des. Ah, puis j'ai rencontré dans un bus un Français de presque proche de la Suisse, hein, de ma région, on dirait presque un Suisse le mec. Mais je sais pas, il me répond pas. Il a 2 ans ici, c'est un gamin, il a 25 et quelques. Mais c'est clair, c'est un Rhône-Alpes, hein, c'est un Rhône-Alpes, hein, ça c'est clair. Le mec il m'a dit, ouais, tu chantes pas bien la chanson à Bourville. Je lui fais, ben déjà j'ai la. Hein, mal à la gorge, mal à la. J'ai. Non, pas bien. Et de deux, si je chante la chanson en entier, ben tu sais combien de temps elle dure, quoi. Ah ouais, c'est vrai que tu devrais rester plus longtemps dans le bus. Je lui fais, ben voilà, quoi. Donc je l'ai modifié. Il m'a dit que je l'ai pas chanté. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plaises à mon père, tu plaises à ma mère. Et comme là, je chante comme ça. Ben, j'ai du mal, hein, j'ai la. Effectivement, je ne mange pas à midi, non. Enfin, si, je mange, mais mon petit déjeuner, en fait. C'est con, mais après, je dors, voilà, quoi. Et voilà, quoi. Mais c'est ça, hein, il faut se reposer. Sinon, tu t'en sors pas, quoi. Ouais, en fait, j'ai un projet, c'est travailler dans le sud du Brésil, où là, ça va très bien, c'est très différent. Mais il faut, voilà, il faut des thunes, quoi. Il faut économiser, mais le coût de la vie est plus bas. Leur monnaie est pas si mal que ça, franchement. Peut-être pas autant que le Solès, mais bon. En tout cas, ce que je vois là-bas, ils te donnent tout, hein, l'aide sociale. Ah ouais, comme un Brésilien. Et ils t'aident, hein. Il y a carrément des centres de. Pas de réfugiés, mais plus ou moins comme ça. Ils donnent un logement, ils donnent à bouffer, ils donnent l'aide sociale. Jusqu'à ce que tu trouves un travail, c'est dingue, hein. C'est dingue. C'est mieux que les États-Unis, hein. En 2 ans, t'arrives à t'acheter une bagnole. C'est plus ou moins, on va dire, vers l'Atlantique, mais plus au sud que ma position aussi au Pérou. Donc c'est plus loin, quoi. Et pour y aller, il y a 5 manières d'y aller. Il faut passer par, dans certains cas, par l'Argentine. Donc c'est loin quand même, hein, c'est loin. C'est loin. L'avion, ça taxe, ça taxe. Ça taxe, ça taxe, ça taxe. C'est du 200. Ouais, bon, tu vas me dire en euros, c'est pas beaucoup, mais bon, pour nous, c'est quand même pas mal. Hein, non, les 200 euros, faut y aller, quoi. Donc voilà, quoi. Donc je sais pas, en fait. Moi, j'en ai plein le cul, là. Le Pérou, là, c'est en train de venir gentiment à Arequipa comme à Lima. C'est bon, quoi. Et politiquement, c'est la merde. Et personne n'accepte ça. Enfin, bref, vous avez compris, quoi. Les gens, moi, je vous laisse. Peace, à plus. Cuídense.